C'est bon? Alors, pour les slides, il y a peut-être un... Je le fais directement sur l'ordi? Ok. Alors, t'es sûr que tu veux pas faire une intro rapide? Ok. Même en parlant fort, je pense que ça va en vrai. Fais une petite intro d'une ou deux phrases, ça coûte pas grand-chose. Vas-y, vas-y. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette masterclass tiers-lieu, Marc Pommier. Je suis la responsable du programme Nouveau lieu, nouveau lien à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et je tenais donc à vous souhaiter la bienvenue dans cette masterclass puisque le programme Nouveau lieu, nouveau lien est le programme interministériel de soutien de l'État au tiers-lieu avec notre appel à manifestation en fabrique de territoire et manufacture de proximité qui sont deux financements du gouvernement pour les tiers-lieux en tant que lieu ressource et pour les tiers-lieux productifs qui accueillent des entrepreneurs et des artisans. Donc je ne vais pas être plus longue, mais voilà, je tenais à vous souhaiter la bienvenue dans cette masterclass et de bons échanges avec notre intervenante de cette soirée. Merci beaucoup. Merci Marthe pour l'introduction. Bonjour à tous, je suis heureuse de pouvoir vous parler ce soir d'un sujet qui me passionne depuis de longues années déjà. Est-ce que vous voulez que je parle un peu plus fort? Beaucoup plus fort? Ok. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de numérique, mais pas que. Les tiers-lieux, on le verra ensemble, c'est un sujet qui touche beaucoup de sujets. Ça touche à l'innovation, à la culture, à l'éducation, entre autres numérique, à la revitalisation des territoires. Voilà, ça brasse très très large. Donc mon rôle ce soir, ce sera d'essayer de vous laisser percevoir de manière simple quels sont les enjeux derrière les tiers-lieux, en quoi est-ce que c'est lié aux notions d'inclusion, aux notions de numérique et aux notions d'inclusion numérique. Donc on va essayer de voir ça avec des cas très très concrets. Je vais commencer par me présenter tout d'abord. Et puis à mettre mon ordinateur en charge. Est-ce que... Ouais, je vous laisse le chargeur là-dedans. Merci. Je suis prospectiviste en tiers-lieu. Donc c'est un métier qui n'existait pas il y a peu de temps encore et on est peu nombreux à faire ce travail. Je suis fondatrice du Wide Open Project. C'est un projet que j'ai lancé en 2017 qui était un tour du monde des tiers-lieux. Donc dans un projet associatif, j'étais bénévole de mon association, j'ai trouvé des partenaires médias, des partenaires privés pour lesquels je faisais des prestations de conseils, de conférences, etc. Donc j'ai financé comme ça cette recherche de terrain et ça m'a permis de répondre à un certain nombre de questions que je vais vous exposer aujourd'hui. Quand je suis revenue du terrain après 2 ans, j'ai fondé une agence qui s'appelle l'agence Wide Open et avec laquelle je transmets ces savoirs-là par de l'accompagnement de porteurs de projets, que ce soit des organisations ou des créateurs de tiers-lieux, par de la formation et surtout de la communication, donc décrypter un petit peu les enjeux, décrypter les enjeux et être capable d'aider à discerner l'important de l'apparent. Voilà, et je suis par ailleurs cofondatrice depuis récemment de Lamar, qui est un tiers-lieu de transitoire à Toulon, qu'on est en train de lancer sur le port de Toulon. Pour ceux qui seraient de passage à l'occasion, n'hésitez pas à venir visiter le projet. Voilà. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est au-delà des concepts, ce qui se passe dans ces lieux, derrière cette myriade de concepts complètement hétérogènes, de Fab Lab, de hub d'innovation, de tiers-lieux du numérique. Parfois, on parle même des squats comme de formes de tiers-lieux. Je vais essayer de vous aider à discerner quels sont les deux dénominateurs communs et comment est-ce qu'on peut penser, accompagner ces espaces-là et surtout quels sont leurs impacts concrètement. À la base de ma recherche de terrain, je me suis posé cette question très très simple. Est-ce qu'on est conditionné par nos lieux? Est-ce qu'on est conditionné à penser la société, à agir dans la société, à se penser en tant que citoyen dans la société par des lieux dans lesquels on évolue, qui sont des espaces de travail, des espaces de vie, de rencontre? Et est-ce que ce serait possible, en changeant nos lieux, en changeant les espaces où on travaille, où on vit, où on se rencontre, de se transformer nous-mêmes en tant qu'individu et en tant que société? Donc derrière, c'est réellement la question de la
transformation générale de nos sociétés, transformation écologique, sociale, face à des défis immenses qui nous attendent, migratoires, sociaux, écologiques, voilà, qu'on connaît tous, j'imagine, dans cette salle. Donc pour résumer ces deux ans de terrain, ça a été plus de 70 tiers-lieux étudiés dans 17 villes et 12 pays. Aujourd'hui, on n'a qu'une heure, donc je vais vous parler de trois cas. Et ce sera surtout l'occasion pour moi de tirer des fils rouges pour laisser un peu percevoir quels sont les enjeux au-delà de ces cas particuliers. Voilà, ça c'était un petit peu le parcours. Vous le verrez, ça, j'ai quand même pris un parti pris. Quand on prépare une présentation comme ça, on fait des choix sur de quel cas on va parler, de quelle notion également. Je fais le choix d'un point de vue très subjectif qui a été éprouvé par le terrain. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler uniquement de théorie, de concept. Bien sûr, on verra rapidement la naissance de ces concepts-là. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de ce que j'ai compris du terrain, donc de ces savoirs qui ont été mis à l'épreuve du terrain, de ce que j'ai vu, senti, compris au contact de dizaines de porteurs de projets un peu partout dans le monde. Puis surtout, essayer de vous donner un peu de recul critique sur ce qui est en train de se passer, qui est tectonique. On parle de transformation tectonique qui aujourd'hui touche quasiment tous les secteurs d'activité. Quasiment toutes les organisations aujourd'hui sont amenées à se poser la question de est-ce qu'on est concerné par les tiers-lieux ? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec les tiers-lieux ? Est-ce qu'on pourrait se transformer à l'aune d'une approche tiers-lieux ? Et donc l'idée, c'est d'essayer de vous accompagner dans cette nécessité d'un recul critique face à ces transformations. Voilà, donc rapidement, pour que vous puissiez voir un peu ce qui va se passer pendant les 40 prochaines minutes ensemble, je vais rapidement passer sur la théorie. On passera sur des cas pratiques. On s'attardera par la suite précisément sur les questions du numérique et comment est-ce que numérique et tiers-lieux s'articulent, sur les questions d'inclusion aussi. Et on finira avec un peu de recul macro sur les enjeux des tiers-lieux. Et évidemment, on aura une quinzaine de minutes d'échange à la fin, donc n'hésitez pas à réserver vos questions, à les noter quelque part, si vous le souhaitez. Voilà, au niveau de la théorie des tiers-lieux, bon, pour ceux qui travaillent déjà dans les tiers-lieux, vous avez dû l'entendre, le réentendre. Ça a été formalisé par Ray Oldenburg dans The Great Good Place en 1989. Ce qui est intéressant, c'est surtout dans quel contexte ce concept est né. C'était un moment d'urbanisation agressive des banlieues américaines, donc un moment où on commençait à concevoir des banlieues dortoirs avec des espaces pour dormir et puis des migrations pendulaires entre l'habitat et l'espace de travail. Et donc dans ces nouveaux plans urbains, dans une approche très monofonctionnelle, productiviste, on a complètement omis la présence des espaces de vie démocratique, des espaces de rencontre, de rencontre avec l'altérité, de place aux conflits, aux conversations, aux débats démocratiques. Et c'est du coup en alerte à la disparition de ces espaces, qui par nature ont toujours existé dans nos espaces de vie citoyenne, que le concept a été créé. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui on parle de tiers-lieux comme d'un nouveau concept, comme si c'était né dans les 10 dernières années, alors qu'on a toujours eu fondamentalement des espaces qui avaient valeur de tiers-lieux dans nos territoires. Un hammam, une église, une place de marché. Et pas mal de ces espaces-là, encore aujourd'hui, peuvent avoir des dimensions de tiers-lieux. Et ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut réintégrer aujourd'hui, maintenant qu'on les a omis de nos fabriques urbaines, comment est-ce qu'on peut réintégrer ces notions à la fois dans nos métiers de la ville, dans la manière dont on pense nos territoires. Donc évidemment, c'est une question qui est éminemment politique, urbaine, architecturale. Mais au-delà de ça, comment est-ce que nous, on peut être partie prenante d'espaces qui recréent cette troisième voie démocratique. Voilà. Donc littéralement, c'est un espace, troisième lieu, pourquoi ? Parce que c'est un espace qui n'est pas le domicile, ni le lieu de travail, qui est un espace tiers entre les deux, dans lesquels on peut rencontrer d'autres citoyens. La notion qu'on oublie souvent quand on parle de tiers-lieu, on retient souvent que cette partie-là qui est très dichotomique, mathématique et qui en fait me plaît très peu, c'est la notion de communauté, le fait que ce soit des communautés intentionnelles. Dans la définition originelle, il précise aussi que ce sont des espaces non marchands,
des espaces de vie qui ne doivent pas être pour des intérêts privés. Et dans beaucoup de ces précisions de définition qu'on nommait aujourd'hui, il y a les fondamentaux de ce que sont les tiers-lieux et qui peuvent vous aider aussi à discerner ce qui se dit tiers-lieu et ce qui est tiers-lieu. Voilà, on reviendra là-dessus un peu plus tard. On va commencer avec les cas concrets. Je vais vous emmener tout d'abord aux États-Unis, à Détroit, qui a été le premier écosystème que j'ai étudié. Donc, c'était vraiment une immersion totale dans cet écosystème très complexe dans la ville de Détroit. Ce qui est important de savoir sur la ville, parce qu'on part toujours du contexte. Quand on doit parler d'un tiers-lieu, quand on doit penser à un tiers-lieu, créer un tiers-lieu, on doit partir de son contexte, de son territoire, des problématiques de son territoire. Et là, l'histoire de la ville de Détroit est un peu singulière, puisque c'est une ville qui a fait faillite. Ça a été la première ville à faire faillite. C'était auparavant et jusque dans les années 70, la ville modèle, fleuron de l'industrie automobile. On avait Ford, Chrysler, General Motors. C'est plus ou moins la ville qui a mis l'Amérique sur les roues. Donc évidemment, des rêves immenses, les universités complètement pionnières, un des plus beaux musées des États-Unis qui existe encore d'ailleurs. Et puis l'effondrement total à peu près au début des années 70, par un cumul de facteurs négatifs, la crise pétrolière, la délocalisation des emplois de l'automobile, des émeutes également. Et la ville se vide de la moitié de sa population, la moitié aisée de sa population, et elle se retrouve avec principalement sa population pauvre, laissée livrée à elle-même, une ville qui n'a plus les moyens de payer l'électricité en centre-ville, plus d'eau courante, plus moyen de payer la police aussi. Et ça devient pendant plus de 30 ans la ville américaine avec le plus haut taux de criminalité. Donc on part de ce terreau-là, d'une ville qu'il est complexe d'imaginer, mais une ville fantôme, avec la grandeur d'une utopie urbaine qui s'est écrasée. Et donc dans ce terreau assez désolé, a commencé à émerger une dynamique collaborative de débrouille et de survie de citoyens qui se sont associés pour faire des potagers urbains. C'est entre autres pour ça que Détroit est connu. Et qui ont fini par acheter, c'est le cas de ce propriétaire-là, de cet entrepreneur-là qui est menuisier, acheter une friche industrielle qui était vacante, dans laquelle il ne se passait rien, et qui a commencé à appeler ses amis, sa communauté d'entrepreneurs, d'artistes, d'artisans, à venir retaper l'espace avec lui, à venir faire du commun ensemble. Et vu qu'il n'avait dans tous les cas pas les moyens de rénover, il a fait le choix de faire confiance à la communauté et de les laisser s'approprier complètement l'espace, en pensant à un système où il pourrait avoir usage du lieu pendant un certain temps. Et c'est par ce faire-là, par la force de ce faire ensemble, que s'est constituée la base de ce tiers-lieu, qui est sa communauté et la force de sa communauté. Une communauté qui se fait confiance, mais qui, au début, n'était absolument pas diversifiée. C'est-à-dire que rapidement, ils se sont aperçus qu'ils étaient tous blancs, dans une ville principalement noire, tous créatifs, designers, artistes. Et ils ont fait le choix, et ça a été le vrai tournant pour eux, entre un espace collaboratif et un tiers-lieu. Ils ont fait le choix d'aller chercher la communauté locale et d'intégrer de manière forcée l'inclusion dans leur modèle économique. Et du coup, ils ont créé un espace partagé pour des initiatives, pour des associations, pour des porteurs de projets de la ville qui peuvent bénéficier d'un espace de travail à un prix bien moins élevé que le prix du marché. Et ils ont commencé à hybrider les usages, à accueillir des structures, avec pour seul critère l'impact. C'est-à-dire que la personne qui vient travailler dans cet écosystème, à Pony Ride, doit justifier de son impact, que ce soit par l'insertion de personnes dans leur structure, par des dons, par un impact concret sur le territoire de Détroit. Et c'est une manière d'offrir à des structures l'opportunité de collaborer avec d'autres structures, mais aussi tout simplement de faire de ce lieu-là une sorte d'incubateur au service de la ville de Détroit. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui réunit à la fois un espace de coworking, un espace événementiel qui est un des plus vivants de la ville de Détroit,
un incubateur réunissant des associations, des porteurs de projets, des artisans, des avocats qui viennent à l'espace de travail, un studio de danse également en lien avec l'Opéra de la Ville, un makerspace et un espace de résidence d'artistes. Donc c'est un espace qui réunit ce premier critère des tiers-lieux, celui de la mixité des usages, qui réunit également cette notion de mixité des publics, vu qu'ils sont allés chercher cette diversité-là, et surtout un écosystème qui catalyse les opportunités pour les résidents, mais aussi pour toutes les parties prenantes en lien avec cet espace-là. Par rapport au numérique, ce qui est intéressant de souligner dans ce modèle, c'est que c'est un peu un exemple type d'un tiers-lieu qui intègre un coworking et qui, dans cette dimension-là, pose la question des nouvelles formes de travail. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, dans ces nouveaux espaces, travailler de manière plus collaborative, de manière plus agile, en mettant en place des économies de la réciprocité. C'est-à-dire dans ces espaces-là, on se facture pas tout. Il y a des choses qui se font naturellement. On va s'aider sur tel ou tel projet. On va finir par répondre ensemble à des projets. Et au final, ça permet à des indépendants qui sont isolés ou à des porteurs de projets qui n'auraient pas les mêmes opportunités d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc c'est un peu la forme communautaire, solidaire, locale de ce qu'on connaît plus traditionnellement comme des incubateurs, souvent uniquement pour des entrepreneurs. Voilà, c'est un espace qui a choisi de prendre des risques, et ça c'est important de le préciser. Tout n'était pas tracé d'avance, ils ont pris des risques sur le modèle économique, sur le fait de rénover l'espace collectivement. Ils ont testé pas mal d'usages, ils ont fait des erreurs aussi, mais ils ont continué dans ce processus-là. Aujourd'hui, c'est devenu un cas d'école pour beaucoup de raisons, parce qu'il a réussi à pérenniser son modèle, il a changé d'échelle par ailleurs, il s'est multiplié dans la ville, également parce qu'il a inspiré localement, il a ouvert les imaginaires de pas mal de jeunes de Détroit qui se sont rendus compte que c'était possible, qu'un lieu comme ça existait dans leur ville, qu'ils pouvaient espérer quelque chose d'un peu plus grand pour leur vie en communauté. Et c'est aussi un modèle qui a fini par inspirer notamment un groupe privé, Ford, qui est un des groupes historiques dans cette ville, qui faisait partie du conseil d'administration du lieu et qui a décidé, influencé par cet écosystème-là, de racheter la gare centrale qui était vacante depuis des années et d'en faire un tiers-lieu d'innovation. Voilà, ça c'est un peu le symbole de du potentiel de partenariat public-privé qui peut se tramer dans ces espaces-là et surtout de la capacité de transformation, désorganisation au contact de ces espaces. Voilà, il y a pas mal de contenu que vous pouvez retrouver sur le site de l'expédition, notamment des interviews de porteurs de projets, vidéos sur le projet qui vous permettront de donner un peu plus de corps à ce que je suis en train de vous décrypter. Je ne vous montre pas les vidéos ici parce que l'idée, c'est vraiment que je puisse davantage faire une exégèse de ce qui importe dans ce modèle, mais je vous invite à aller voir les vidéos si vous souhaitez creuser. Voilà, je vais passer sur un deuxième écosystème très différent cette fois-ci. Un écosystème que je suis allée voir à Lomé, au Togo, et qui va nous permettre d'explorer une autre échelle de l'approche tiers-lieu, une échelle pas uniquement du bâti, mais à l'échelle de la ville et du quartier également. On n'y pense pas souvent, et c'est vrai que quand on débute dans l'apprentissage de ce que sont les tiers-lieux, on pense que c'est uniquement un espace. En réalité, c'est une approche, et une approche qui est duplicable à toutes les échelles urbaines. Non seulement à l'échelle du bâti, du quartier, de la ville, mais beaucoup plus largement à l'échelle des institutions. C'est-à-dire qu'on peut imaginer transformer une institution publique, transformer l'Institut français, l'AFD, l'État français, Pôle emploi. Toutes ces institutions-là, les groupes privés également, peuvent être transformés à l'aune de cette approche. Donc il y a comme différentes échelles et différents niveaux de potentielle transformation qu'il est intéressant d'intégrer dès maintenant. Donc à Lomé, je suis allée étudier un écosystème assez singulier qui a été fondé par un architecte anthropologue. C'est intéressant qu'il soit architecte anthropologue parce que ça permet d'expliciter la notion anthropologique de ces espaces-là aussi. C'est des espaces où on expérimente de nouvelles manières de faire des communs, de nouvelles manières d'être ensemble et où on met à l'épreuve par des rituels communautaires
nos manières de faire société. Donc Sename Kofi, c'est un Togolais architecte anthropologue, comme je vous disais, qui a été inspiré par la culture des Fab Labs en 2012. Il a trouvé ça extraordinaire, ce potentiel de l'Internet libre, de la collaboration, du fait de s'autonomiser, de se solidariser par des systèmes collaboratifs issus de la culture de l'Internet libre. Et il a décidé d'amener ce concept-là et cette culture-là dans son pays d'origine, dans sa ville d'origine, Lomé, avec un projet assez singulier, celui d'une ville-laboratoire. Une ville-laboratoire à l'échelle de Lomé, donc à l'échelle de Lomé complet, pensée selon trois notions, celle de la culture Fab Lab, donc pensée des espaces qui seront en partie des Fab Labs, celle de l'acupuncture urbaine, c'est une notion qui consiste à penser l'espace urbain comme un grand corps potentiellement malade à certains endroits et qu'on pourrait soigner par des injections localisées. C'est-à-dire penser un espace avec un impact alentour, avec différents points dans la ville, et imaginer une réforme complète de l'espace urbain par cette acupuncture. Et il a enfin croisé avec les fondamentaux des cultures traditionnelles africaines, et notamment certains rituels communautaires dans les villages, c'est-à-dire les enclos d'initiation. C'était des moments et des endroits, qui existent encore d'ailleurs dans certains villages, où plusieurs générations étaient réunies et plusieurs familles étaient réunies, jeunes de familles étaient réunies pendant un temps donné pour partager ensemble leur savoir. Ils devaient apprendre les uns des autres, construire les uns des autres. Donc c'est très lié aux notions qu'on connaît en architecture, en urbanisme également, de vernaculaire, c'est-à-dire faire avec les ressources locales et faire de la construction d'un bâti, d'une maison, d'un projet, faire de la construction le prétexte de la création de commun. Donc il s'est inspiré de toutes ces notions-là et il les a réunies autour de son projet de WellLab Prime, qui a consisté à créer dans deux endroits de la ville des espaces ouverts sur l'espace public, ouverts à tous, ouverts aux jeunes du quartier, ouverts aux familles, où il invite toujours, puisque ces espaces existent, il invite les jeunes ou les entrepreneurs ou les familles à venir collaborer ensemble sur des projets avec pour seul critère l'impact. C'est-à-dire quel sera l'impact sur des problématiques très locales, quel sera l'impact que vous aurez à un périmètre de 2 km alentour. Donc c'est vraiment créer un périmètre d'impact autour d'un lieu et faire d'un espace le générateur de solutions collaboratives et communes pour le territoire. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il y a cette notion de contraindre au commun, cette notion anthropologique, c'est-à-dire contrer un modèle qui, de manière générale, est individualisant, a fortiori en lien avec les nouvelles technologies qui continuent à nous individualiser. On a tous notre compte WhatsApp, notre compte Facebook. Donc, c'est des technologies qui individualisent et c'est dans leur intérêt. On est consommateurs avant tout et on est plus nombreux consommateurs quand on est individualisé que quand on peut mutualiser, acheter ensemble. Donc, l'idée, c'est d'amorcer un changement culturel de retour vers les communs et de le faire par la création de projets qui vont solutionner les territoires. C'est une expérimentation qu'il mène encore, qui porte ses fruits, qui a en tout cas inspiré sur toute cette région le mouvement Fab Lab. C'est-à-dire que ça a été le premier Fab Lab assez médiatisé, assez structuré, avec la première imprimante 3D à l'époque. Et voilà, et qui a eu le mérite d'amorcer un mouvement dans la zone et qui évidemment s'est fait avec un bilan toujours un peu nuancé de la difficulté aussi de revenir au commun quand on est dans une culture pourtant traditionnellement collective, mais qu'on a toutes les conditions pour individualiser aussi par ailleurs. Et puis surtout, c'est un espace qui m'a amenée à m'interroger sur cette notion de smart city. Je pense que c'est important d'en parler, vu que c'est un sujet d'architecture avant tout, d'urbanisme, le tiers-lieu.
et qu'on veut aussi parler aujourd'hui numérique, le modèle des tiers-lieux remet aussi en question, à mon sens, la notion traditionnelle de smart city. Qu'est-ce que c'est qu'une ville intelligente? On nous parle beaucoup de villes intelligentes, principalement fondées sur la technologie, sur la data, sur le pouvoir des technologies. Est-ce que la ville intelligente demain, ce ne serait pas une ville résiliente, collaborative, peut-être frugale, où on est capable de revenir à des modèles peut-être plus communs, plus collaboratifs, et qui ne sont pas forcément en opposition non plus avec les avancées technologiques? C'est-à-dire, est-ce que le numérique aussi peut être au service des communs? Et puis surtout, qui interroge cette notion de résilience. Aujourd'hui, évidemment, avec la crise de la Covid, on a cette pénurie des semi-conducteurs qui nous interroge un peu tous sur notre résilience face au modèle urbain, face au modèle d'approvisionnement qu'on pense toujours plus performant. Ce que les modèles de tiers-lieux semblent présager, c'est qu'on a la partie émergée de l'iceberg qui est la résilience technique. Est-ce que techniquement, en termes d'infrastructure, en termes de technologie, on a la capacité à faire face aux chocs? Et ça, c'est vraiment la partie dont on parle le plus. Est-ce qu'un bâtiment est capable de résister à un choc sismique? Est-ce que nos infrastructures sont prêtes à se rebooter, etc. Mais on parle très peu de la résilience humaine, individuelle et collective. Est-ce qu'on est capable, en cas d'urgence, de s'organiser rapidement? Est-ce qu'on a l'habitude de faire les choses ensemble? Est-ce qu'on a envie d'être solidaire avec les autres? Est-ce qu'on va tous se construire des bunkers? Ou est-ce qu'on va avoir un sens aussi de communauté quand les choses vont devenir un peu plus compliquées aussi? Donc il y a cette notion-là. Est-ce que la résilience peut être collective? Et autrement, surtout, est-ce qu'elle doit être collective? Voilà, c'est ce que j'ai envie d'interroger. La dernière question avec laquelle j'avais envie de vous laisser sur ce modèle-là, c'est celle du gadget ou impact. Quand on parle de Fab Lab, souvent on parle d'imprimante 3D, de faire son porte-clés, de faire sa petite lampe. Oui, bien sûr, c'est le processus, c'est le fait de faire ensemble, d'apprendre à faire, de se réapproprier les outils. Mais en réalité, est-ce que c'est ça qui importe? Quand on va parler d'impact, est-ce qu'on veut parler du nombre d'usages de l'imprimante 3D ou est-ce qu'on veut parler de l'impact que ça a eu sur la conscience des gens qu'ils pouvaient faire les choses eux-mêmes, qu'ils pouvaient se réapproprier une partie de leur savoir, une partie de leur savoir-faire, une partie de leur capacité à faire les choses ensemble. Et puis surtout, j'ai choisi ce modèle précisément parce qu'il interroge notre nombrilisme européen. Je sais qu'il y a une forme de violence dans cette notion de nombrilisme, mais quand on est de l'autre côté aussi, on voit cette violence par ailleurs. Et c'est de s'interroger quand on parle de tiers-lieux en France, quand on parle de tiers-lieux en Europe. Bien sûr, c'est des notions de collaboration, d'innovation, d'attractivité territoriale, de compétitivité nationale, évidemment. Mais quand on pense au continent africain avec un boom démographique immense qui présage des crises migratoires extrêmement intenses, avec une fabrique urbaine qui va s'intensifier pour faire face à ce boom démographique également. Est-ce que l'enjeu aujourd'hui des tiers-lieux, est-ce que l'enjeu de penser nos villes autrement, de penser des bâtiments qui mutualisent, de penser des modèles plus résilients, plus collaboratifs, on va pouvoir faire ensemble et différemment, est-ce qu'il n'est pas avant tout sur ce territoire-là, où on a des enjeux d'urbanisation immenses, où il est nécessaire d'arrêter de rêver en blanc et de vouloir construire des villes comme on les a fait en Europe. Et peut-être que c'est là qu'on peut, peut-être plus qu'ailleurs, créer réellement les villes intelligentes qu'on a envie de créer, puisqu'on n'a pas déjà construit des espaces qui sont complètement pensés par des intérêts principalement privés dans nos villes aujourd'hui. Voilà, donc j'ai envie d'interroger ces modèles-là et puis surtout de vous amener à vous interroger sur quand on pense tiers-lieux, au-delà de la France, au-delà de l'Europe, qu'est-ce que ça signifie pour ces territoires-là? Voilà, l'AFD s'interroge aussi sur ces modèles, essaye de transformer ses accompagnements sur place en créant des écosystèmes inspirés de l'approche tiers-lieux. Mais voilà, je trouve ça intéressant de soulever cette question-là aussi. Voilà, une fois encore, vous pouvez retrouver les contenus sur le site.
Je vais passer à un autre modèle qui va me permettre d'ouvrir une boîte complètement nouvelle, qui est celle de l'urbanisme transitoire. Je vais vous en parler parce que ça va me permettre d'illustrer aussi le fait qu'un tiers-lieu peut être éphémère, le fait qu'il peut être temporaire et in fine que le processus importe plus que le produit fini. Et je vais vous parler entre autres de ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, surtout à Montréal, puisque j'y suis allée au moment où les grands voisins venaient d'ouvrir à Paris. Et Montréal regardait vers Paris et se disait « Nous, ici, à Montréal, on a une immense problématique de vacances patrimoniales. » C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'églises, de bâtisses vides, avec un risque immense en termes de feu, en termes de squat, en termes de dévalorisation du foncier. Et ils se sont dit « Est-ce que ce ne serait pas une solution pour nous aussi d'occuper temporairement ces espaces-là » Et pourquoi est-ce qu'on n'amènerait pas cette idée auprès de nos élus? Et donc un collectif s'est constitué, qui s'est connecté à Plateau Urbain à Paris, à Comuna à Bruxelles, et ils ont décidé de se constituer en collectif. Ils se sont appelés Entremise, et ils ont essayé d'entremettre l'urbanisme transitoire auprès des élus de la ville de Montréal, juste avant un changement de mandat. Donc là, la temporalité politique joue et importe aussi dans ce processus-là. Et donc, ils ont décidé de créer un séminaire, d'ouvrir un séminaire sur cette question-là pour poser la question avec des élus. Est-ce que l'occupation temporaire de nos bâtiments, est-ce que l'urbanisme transitoire ne serait pas une réponse à nos problématiques de vacances ? Ils ont fait venir les équipes de Paris, de Bruxelles, et au sortir de ce séminaire, tout le monde se demandait pourquoi est-ce qu'on ne fait pas déjà ça à Montréal. Ça semblait comme une évidence, ça avait la force d'une évidence, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire passer cette notion-là dans le programme de ceux qui ont fini par gagner la municipalité. Donc évidemment, ils ont eu de la chance aussi dans ce timing-là. Mais la ville s'est engagée à porter au moins 10 projets de transitoire dans la ville de Montréal. Et ils ont commencé avec le premier projet que je suis allée voir, qui était en lancement quand j'y suis allée, qui s'appelait le projet Young. Dans ce projet, on est dans un quartier de Montréal qui est un peu dévitalisé, où il y a surtout des grands magasins de canapés et très peu de vie communautaire. Et puis, il y a un hangar vide qui appartient à la ville avec un projet de logement social. L'entremise part de cet espace-là et décide d'en faire un espace dédié à l'innovation sociale, et d'accueillir des structures diversifiées pour créer un écosystème collaboratif, accueillir des citoyens, accueillir la ville, une partie du pôle rattaché à la ville sur l'innovation, et commencer à expérimenter concrètement, en intégrant à ce processus la ville en matière d'urbanisme transitoire. Ce qui s'est passé, c'est que, in fine, ils ont réussi à ouvrir une brèche dans le processus public de fabrique urbaine. C'est-à-dire que la ville, au contact de ce projet-là, a fini par s'interroger sur la réglementation possible sur ce type de modèle, sur la capacité aussi de dupliquer, d'essaimer, d'aller peut-être convaincre d'autres villes de la pertinence de l'occupation de bâtiments vacants. Donc c'est un modèle qui me permet surtout de vous parler de la dimension d'influence des institutions dans des modèles d'espace collaboratif. Ils ont réussi, entre guillemets, à faire du lobbying par le faire avec la ville de Montréal. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans tout processus de tiers-lieu, on a une notion d'incertitude et d'erreur. Je ne vous parle pas uniquement du produit fini quand je vous présente les lieux, je vous parle d'un processus. C'est pour ça que je vous raconte une histoire, je vous raconte un récit. Parce que ce qui importe dans ces espaces-là, ce n'est pas simplement ce qui peut être mis sur la plaquette, c'est tout le processus de cet espace. Et un processus pendant lequel les gens changent, les mentalités changent, des portes s'ouvrent dans les imaginaires, dans la façon dont on peut faire les choses.
Et ce projet-là, en l'occurrence, il a permis, entre autres, à la mairesse et puis à d'autres, d'autres parties de la ville de réintégrer à leur processus de fabrique urbaine une part d'inconnu et une part d'incertitude qui, traditionnellement, est au maximum omise de la fabrique urbaine. C'est-à-dire qu'on est habitué à penser des modèles, des plans urbains optimisés, planifiés, sans aucune part d'incertitude. Dans ces notions-là, si on veut aller chercher de l'agilité, de l'innovation, de la résilience, on doit faire confiance au bout d'un moment et on doit prendre des risques. Voilà, évidemment, à Paris, pour ceux qui ont eu l'occasion de passer à Paris, on a l'emblématique projet des Grands Voisins qui a un peu ouvert la voie, qui a été le plus grand projet d'urbanisme transitoire en Europe. Ils ont expérimenté des usages aussi, c'est ça qui est intéressant dans ces notions d'urbanisme transitoire. Par exemple, une monnaie temps qui permettait de se payer des choses dans certains espaces si on venait donner de son temps pour d'autres espaces. Donc c'est aussi par le faire qu'on remet un peu en question l'existant et nos notions de travail, nos notions de temps, de démocratie. Et puis un autre exemple, par exemple à Comuna, un communal collectif belge qui fait la même chose en Belgique et qui investit énormément d'espaces vacants dans la ville. Ils en ont plus d'une dizaine. Et voilà, ils ont commencé un peu en pirate, de manière très peu institutionnelle. Ils viennent vraiment de la culture du squat initialement. Et puis, ils ont été assez intelligents pour commencer un dialogue avec la force publique. Et puis, aujourd'hui, être vraiment porte-parole de ces questions d'urbanisme transitoire en Belgique. Voilà, donc, pour résumer cette question de transitoire, ce qui est intéressant d'intégrer, c'est le distinguo entre occupation temporaire et urbanisme transitoire. C'est-à-dire occupation temporaire, c'est le fait d'investir pour une période donnée, investir un espace qui était initialement vacant. Ça, c'est de l'occupation temporaire. Dans la notion d'urbanisme transitoire, il y a la notion d'expérimentation, de préfiguration d'un projet urbain qui va venir et qui peut être influencé par cette expérimentation temporaire. C'est-à-dire, pour dire très concrètement, dans le projet Young à Montréal, qui était un hangar, mais qui allait être détruit pour faire un logement social, c'est la possibilité d'intégrer au plan de ce logement social une part d'espace commun en rez-de-chaussée, qui pourrait être une continuité de ce qui s'est passé pendant ces 22 mois d'expérimentation temporaire, et qui permet de repenser la manière dont on fabrique la ville, pas uniquement de manière descendante, avec un expert, un élu, un architecte qui va penser un projet urbain et l'imposer à des usagers, mais de manière beaucoup plus démocratique et ascendante en observant les usages et les besoins réels du territoire qui vont avoir l'occasion de s'exprimer pendant quelques mois d'occupation temporaire. Voilà, donc c'est des notions qui évidemment touchent aux questions de démocratie, de droit à la ville également, le fait qu'on doive aussi se réapproprier la fabrique urbaine et notre capacité à choisir comment est-ce qu'on veut vivre, comment est-ce qu'on veut construire nos logements, comment est-ce qu'on veut construire nos écoles, nos maternelles, nos maisons de retraite, etc. Et voilà, l'urbanisme transitoire, c'est vraiment le faire de manière temporaire, enclencher un processus dans du vide, tester de nouveaux usages, peut-être au passage transformer les institutions ou les propriétaires privés qui s'engagent dans ce processus-là. Et puis aussi, c'est de manière beaucoup plus simple, c'est investir des espaces qui sont déjà là et qu'on n'a pas à construire. Et voilà, dans un contexte de crise écologique majeure, c'est peut-être intéressant de se demander si on ne peut pas réinvestir les espaces qui existent et qui sont vides plutôt que de continuer à construire sans interroger ces modèles-là. Et puis par ailleurs, le potentiel est immense parce qu'on a un taux de vacances qui est conséquent. À Paris, on a Paris seulement en bureaux vacants. On a l'équivalent de 33 fois la tour Montparnasse de bureaux vacants. Donc il faut imaginer un petit peu le potentiel que ça représente. Voilà, je vais passer rapidement au décryptage thématique. J'ai déjà tiré pas mal de fils rouges là pendant ces cas concrets sur le numérique, sur l'inclusion, sur des processus à l'œuvre dans ces espaces-là. Je vais prendre le temps de décrypter un peu plus précisément le lien entre numérique et tiers-lieux. Il existe, ont été entre guillemets dégagés par dans le rapport d'État
qui avait été demandée, Mission Coworking, j'imagine que vous avez vu passer, 4 principaux modèles de tiers-lieux du numérique. Le premier, c'est un peu l'emblème du tiers-lieu numérique, c'est le Fab Lab, c'est l'espace de fabrication qui va réunir des étudiants, des makers, donc des bidouilleurs, des geeks qui connaissent les logiciels, qui vont venir partager. Et c'est des espaces souvent de partage, de faire ensemble, avec l'archétype de l'imprimante 3D dans ces espaces-là aussi. On a par ailleurs les pôles d'innovation technologique qui sont beaucoup plus dans le champ professionnel où on est dans des pôles souvent de compétitivité pour les territoires. Des espaces de coworking, donc là c'est vraiment toutes ces notions de travailler autrement, le fait qu'on puisse aussi imaginer créer des zones d'activité sur les territoires grâce au télétravail et peut-être dans des territoires périurbains, ruraux, où on ne les avait pas... auparavant, en réunissant des publics très diversifiés qui vont peut-être commencer à faire les choses ensemble localement, plutôt que d'aller travailler loin ailleurs pour être de toute manière derrière un ordinateur. Et puis les espaces professionnels de médiation et de formation numérique qui peuvent être intégrés à d'autres espaces, mais où on a ces notions d'accompagnement, de travail à l'inclusion numérique et de lutte contre la fracture numérique par ailleurs. Voilà, c'est un peu les modèles, les 4 modèles qui se dégagent. Par nature, les tiers-lieux du numérique sont des espaces d'inclusion numérique. C'est-à-dire que c'est des espaces de transmission, d'apprentissage, de collaboration. Donc, par nature, ils ont cette notion d'inclusion. 30% sont déjà d'ailleurs des espaces de médiation numérique qui n'ont pas attendu le label spécifique là-dessus pour commencer à faire ce travail de médiation. Et demain, surtout, ces espaces-là seront mis, et ça fait partie du plan d'État, seront mis au cœur de la transformation numérique des territoires. C'est-à-dire que l'État a identifié, d'où le programme Nouveau Lieu, Nouveau Lien, que c'était des espaces créateurs de valeurs plurielles pour le territoire, valeurs collaboratives, valeurs dans notre capacité d'innovation, valeurs souvent avec des retombées économiques fortes, direct ou indirect, par les opportunités qui sont générées, par l'innovation qui peut s'en dégager. Et donc, l'État va soutenir la fabrication de 30 fabriques numériques, notamment dans les quartiers prioritaires. Bon, je ne vais pas rentrer sur le détail du programme d'État parce qu'il est long et que vous pouvez très bien le consulter par ailleurs. Moi, ce que j'ai envie de creuser comme question, c'est une question de fond, c'est numérique très bien, ok, mais pourquoi ? Pour moi, c'est la même question qui se pose dans les tiers-lieux, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut des tiers-lieux numériques ? Au service de quoi ? Au service de qui ? Et surtout, pourquoi ? Quand on parle du numérique, on parle souvent du produit et surtout du produit... physique, on parle d'aspects techniques, mais dans ces espaces-là, intégrer du numérique, pourquoi pas, mais si c'est pour faire des porte-clés, on peut s'interroger. C'est surtout, à vrai dire, au service de quelle vision de société ? C'est-à-dire contribuer... à générer les mêmes opportunités pour tout le monde, faire un travail de médiation, d'inclusion numérique. Ça a du sens dans les tiers-lieux. Contribuer à accélérer les opportunités d'emploi, très bien. Mais du coup, c'est lié à des notions aussi de collaboration, de confiance communautaire, du fait de se connaître. On peut avoir accès à des opportunités d'emploi parce qu'on est capable d'aller sur Internet, de regarder des offres d'emploi, de faire son CV avec quelqu'un qui va nous accompagner. Mais in fine, est-ce qu'on ne va pas aussi générer davantage d'opportunités, davantage d'inclusion, davantage d'empowerment si on crée des bassins de communautés, de personnes qui s'entraident, qui sont diversifiées, donc qui peuvent se transmettre, qui peuvent s'aider mutuellement et qui sont capables de faire société ensemble localement.
Voilà, donc c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est cet aspect technique. Quand on parle numérique, on parle souvent, est-ce que vous avez un programme de réservation de salle? Est-ce que l'Internet est bon dans cet espace-là? Est-ce qu'il y a des machines de fabrication 3D? Ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, c'est la notion de communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'espaces coworking, d'espaces un peu de fabrication qui sont conçus matériellement. C'est-à-dire qu'on a toutes les machines qui sont là, on a les ordinateurs, les tables qui roulent, toutes les infrastructures sont là. Mais c'est des coquilles vides parce que la communauté ne se connaît pas. Il n'y a pas d'esprit collaboratif, il n'y a pas de processus vivant, d'expériences humaines qui ont été partagées. Et du coup, il n'y a pas ce supplément d'âme qui est le cœur des tiers-lieux et qui est la base de pourquoi est-ce que les gens viennent, pourquoi est-ce qu'ils ont envie de se réunir, de faire les choses ensemble, peut-être de transformer leur territoire, de se transformer au contact des autres. Et puis, si on rêve un peu de transformer la société beaucoup plus largement. Voilà, c'est le point de vigilance quand on parle des tiers-lieux. Déjà, on ne parle pas toujours des espaces de coworking. On ne parle pas toujours uniquement des Fab Labs. Et puis surtout, avant de penser les lieux et les infrastructures, il faut comprendre qu'il s'agit d'un processus humain et qui est avant tout porté par une communauté. Voilà, donc ne pas penser produit, mais processus. Processus vivant d'une communauté qui se connaît, qui partage des expériences ensemble, d'où la puissance du faire. C'est pour ça qu'en fait, les Fab Labs, entre autres, sont des espaces d'autonomie, de création de liens, de collaboration, parce que les gens se réunissent autour de quelque chose à faire ensemble. Il y a une certaine puissance dans cet acte de faire ensemble. Voilà. Bon, par ailleurs, sur des questions du numérique, c'est un gros enjeu de désenclavement, par exemple. Comment est-ce qu'on peut désenclaver, redynamiser des territoires ruraux ou périurbains, soit en créant des zones d'emploi, donc des espaces de travail partagés où on va mutualiser les ressources, les capacités, le réseau, et on va essayer de faire les choses ensemble. C'est une mutualisation, évidemment, qui peut être fonctionnelle, c'est-à-dire dans des petits territoires, on peut imaginer créer un espace de coworking qui est aussi le tabac presse, qui est aussi l'espace ressources pour Pôle emploi, qui est... Voilà, c'est un peu tout ce qui est porté notamment par les maisons France Services et qui vont réunir des services administratifs dans un espace. C'est comment est-ce qu'on peut mutualiser fonctionnellement, structurellement, en termes d'infrastructure des espaces. Et puis peut-être à terme, imaginer relocaliser en recréant des pôles de production artisanale, collaboratif, où on va mixer un peu les professions. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Opportunité, oui. Opportunité d'emploi, opportunité de rencontre, de réseau, mais surtout changement culturel. Changement culturel dans notre capacité à travailler avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas les mêmes structures que nous, ne pas travailler qu'avec des entreprises. Si on a une entreprise, peut-être aller travailler avec des associations, avec des entrepreneurs, avec des indépendants qu'on n'a pas dans notre environnement traditionnel. Donc aller chercher cette diversité et puis surtout aller chercher de la transmission de pair à pair. Le fait de recréer des espaces où on peut se transmettre de manière formelle par des formations, il y en a dans beaucoup de tiers-lieux, mais aussi de manière informelle, sans l'avoir prédit, par spontanéité, parce qu'on passe du temps ensemble, parce qu'on partage un espace ensemble, et du coup grandir individuellement, collectivement, avec une communauté. Donc évidemment, c'est très lié à cette notion d'inclusion. Vu qu'on parle de communauté, on parle du fait de créer du lien avant tout. C'est un peu le premier point des tiers-lieux, c'est qu'ils sont recréateurs de liens. Voilà, on fait beaucoup de concepts, beaucoup de livres commencent à être publiés sur ces espaces-là. Mais fondamentalement, ce qui est important dans les tiers-lieux, c'est que ça permet de rompre avec la solitude de nos sociétés. On est dans des sociétés hyper connectées, mais où les gens ont tendance à se sentir seuls, où on fait les choses souvent seuls et où on peine à trouver des espaces de rencontre, des espaces de collaboration, des espaces d'écoute, de résilience individuelle, collective. Et du coup, les fondamentaux des tiers-lieux, c'est réellement recréer de l'espace pour ça. Recréer l'espace pour que les rencontres se fassent sur le temps long, dans l'informalité aussi.
On n'est pas venu ici pour quelque chose de spécifique, on est peut-être venu ici pour feuilleter un bouquin, prendre un café, consulter un document, et puis on va rencontrer quelqu'un, on va pouvoir parler, on va pouvoir transformer un peu notre vision de la société. Et c'est ça qui importe, ce processus humain qui importe avant tout dans les tiers-lieux. Il y a une notion de confiance aussi qui est immense et qui est très importante. Comment est-ce qu'on bâtit, comment est-ce qu'on construit, qu'on maintient dans le temps la confiance d'une communauté ? J'ai étudié notamment à Medellín et à Bogota des tiers-lieux qui évidemment ne s'appellent pas tiers-lieux. Hein. Il y a très peu de tiers-lieux dans le monde qui s'apparentent à un concept très précis. C'est des choses qui émergent par la nécessité de trouver des solutions, de recréer du lien, de faire les choses ensemble. On parle plus de placemaking d'ailleurs à l'international. Et par exemple, en Colombie, dans un pays qui a été marqué par des années de guerre de narcos, donc des guerres d'une violence immense, où tout le monde pouvait potentiellement être narcos, donc la confiance de la communauté a été très fragilisée pendant des années. Ces espaces-là, ces espaces de vie communautaire, où on vient pour une manifestation culturelle, aussi pour rencontrer ses voisins, aussi pour faire un atelier, c'est des espaces qui sont recréateurs avant tout de la confiance de chacun en la communauté et dans le fait qu'il peut compter aussi sur sa communauté. Voilà, donc évidemment, ça finit par influencer aussi certaines institutions ou organisations d'action sociale qui se demandent si elles ne peuvent pas transformer leur action. Par exemple, la Croix-Rouge, qui a lancé en 2018 une expérimentation pour créer des tiers-lieux sociaux. Ils sont en train d'ailleurs de travailler sur un guide de tiers-lieux sociaux à l'aune de cette approche tiers-lieux. Donc, ils ont créé des tiers-lieux portés par la Croix-Rouge, dont le but était d'arrêter de penser des espaces pour l'action sociale, des espaces où on a des bénéficiaires, des bénévoles, des gens qui ont besoin d'aide en action sociale, mais davantage des espaces pensés comme des écosystèmes dans une diversité de profils où on va essayer d'insuffler de la transmission, de la solidarité, de la collaboration et compter sur cette dynamique communautaire aussi pour être un relais collectif à une nécessité d'action sociale. Voilà, par ailleurs, il y a Emmaüs aussi qui vient de recruter un profil pour lancer une stratégie tiers-lieu chez Emmaüs. Voilà. Je pense que petit à petit, pas mal d'organismes sociaux vont s'interroger là-dessus. Donc, c'est avant tout des communautés. Il y a des moments tiers-lieu. Burning Man, ça peut s'apparenter à une forme de tiers-lieu temporaire. Les gens viennent pendant un temps donné, partagent, construisent ensemble des choses, partagent des expériences, des visions de la vie, de la société. Ils repartent changés. Donc il y a une dimension tiers-lieu là-dessus qui évidemment contraste beaucoup avec des modèles qui peuvent être plus institutionnels par ailleurs. Et puis peut-être aussi les gilets jaunes. Il y a un sociologue qui a posé cette question-là aussi. Est-ce que les ronds-points des gilets jaunes n'ont pas fait figure de tiers-lieu ? Est-ce que cette nécessité de réoccuper l'espace public, c'est pas aussi un symptôme de ce besoin commun de retrouver des espaces d'expression démocratique ? Voilà, je ne sais pas pour ceux qui sont allés voir, moi j'étais en tour du monde à l'époque, donc je n'ai pas pu voir sur le terrain, mais pour ceux qui y sont allés, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir une diversité de profils. Voilà. Je vais finir avec les dénominateurs communs pour qu'on puisse un peu se résumer ensemble quels sont les points forts de ces espaces-là, derrière tous ces modèles formels, informels, institutionnels, transgressifs, transitoires, éphémères, pérennes. Voilà. Quels sont les dénominateurs communs ? Le premier, on l'a assez dit, c'est l'importance de la communauté. Ne pas tomber dans l'écueil éternel de cette coquille vide d'un espace qui a été pensé par en haut, avec des infrastructures parfaite, mais sans la communauté pour s'approprier l'espace. C'est un écosystème qui doit être diversifié. Si on est dans une communauté d'entre-soi, ça peut être un écosystème collaboratif d'un entre-soi, enfin un hub d'innovation, mais on ne sera pas dans un écosystème qui, par nature, réunit des parties très diversifiées. Et puis surtout, dans cette notion de communauté, il y a la notion de désir de faire ensemble, être porté par une vision de société, peut-être une vision pour le lieu, le fait qu'on ait envie que ce lieu, ce soit
quelque chose qu'on imagine ensemble, qu'on a envie de s'approprier cet espace. Et le lieu en lui-même, c'est une toile blanche sur laquelle vont se projeter des imaginaires collectifs, individuels. Et dans ce processus-là, le lieu va se transformer, les gens vont se transformer, et c'est ça qui importe dans la notion de tiers-lieu. Voilà, d'où cette notion de lieu-processus. Moi, je les appelle lieu-processus ou écosystème positif, beaucoup plus que tiers-lieux. C'est des laboratoires aussi, des laboratoires de nouvelles manières de faire, où par exemple on va se rendre compte qu'on peut peut-être mutualiser certaines choses. Si on est dans un habitat partagé, un tiers-lieu avec une donnée d'habitat, c'est aussi se demander si on ne peut pas mutualiser, en parlant numérique, la box, plutôt que chacun ait sa box dans l'habitat. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser des salles? Est-ce qu'on ne peut pas recréer des zones de rencontre? Par exemple, un EHPAD, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'EHPAD puisse s'ouvrir sur l'espace extérieur, qu'il puisse être en lien aussi avec des tiers-lieux par ailleurs? Donc, c'est des espaces avant tout vivants. C'est souvent des espaces de liberté dans l'expression, dans ce qui peut émerger. C'est recréer un peu artificiellement la foire, la place du village, un espace où on peut créer de la convivialité, de l'accueil, s'autoriser à une forme d'informalité, de spontanéité, et puis surtout décloisonner les usages et les services. Arrêter de penser ou d'expérimenter des espaces monofonctionnels, où on vient pour manger son sandwich, on vient pour lire un livre, on vient pour travailler dans un espace, mais peut-être voilà, réunir, hybrider, mixer ses usages et ses services. Voilà, aujourd'hui, c'est des mouvements qui sont tectoniques. Là, je vous ai parlé de cas très précis, un peu aux trois coins du monde, mais c'est un mouvement qui est tout d'abord international, qui a beaucoup de noms, beaucoup de formes. Tout le monde ne s'apparente pas au mouvement français des tiers-lieux, et même en France, on a une myriade d'acteurs, de modèles, de revendications et une grande diversité d'acteurs qui se reconnaissent ou non dans les différents modèles de tiers-lieux, et c'est peu importe, hein, en réalité, s'ils sont tous d'accord, l'idée, c'est de savoir s'ils ont un impact et s'ils sont vivants. Et c'est surtout un changement que je modélise souvent, enfin, je schématise souvent comme deux axes. Le premier, c'est la nécessité, c'est un axe horizontal, la nécessité d'essaimer les tiers-lieux sur les territoires. C'est-à-dire vraiment, si on pense le territoire comme une carte multipliée sur le territoire, on revient à cette notion d'acupuncture urbaine dont je parlais tout à l'heure, multiplier ces espaces recréateurs de liens sociaux, recréateurs d'opportunités, de vivre ensemble, de terreau démocratique. Et c'est ce qui est pris de premier front par l'association France Tiers-Lieux, qui a commencé à recenser les 1800 tiers-lieux existants pour les visibiliser, pour les accompagner, potentiellement les protéger, les soutenir aussi. Et il y a un deuxième axe vertical qui est la transformation des organisations. Je vous ai cité rapidement la Croix-Rouge, Ford, l'AFD, l'Institut français, Pôle emploi. Tout ça, c'est des organisations qui peuvent se transformer, mais aussi demain, des espaces physiques, les maisons de retraite, les cinémas, les bibliothèques. Ce château pourrait devenir un tiers-lieu. Tous les espaces sont des tiers-lieux en puissance. Parce que c'est avant tout une approche et surtout un changement culturel dans la manière dont on pense, dont on vit l'espace et dont on interagit avec les autres. Une grande question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut institutionnaliser, c'est ce qui est en route aujourd'hui avec les rapports d'État, avec les budgets qui sont débloqués, les subventions, le fait qu'on recense les tiers-lieux existants, donc ça, c'est... Du coup, on distingue ce qui n'est pas tiers-lieu, ce qui est tiers-lieu, ce qui ne l'est pas, etc. Dans cette notion d'institutionnalisation, évidemment, il y a un point de vigilance que moi, j'appelle à garder sur le fait de s'assurer de maintenir un processus vivant et que ce soit l'institution elle-même qui soit facilitatrice de ces dynamiques-là et qui s'influence. Enfin, qui soient influencés par ces modèles-là plutôt que ces espaces-là qui finissent par se rigidifier au contact des institutions. Mais surtout, je me demande comment est-ce qu'on peut institutionnaliser sans dépolitiser les tiers-lieux.
dans la mesure où j'entends de plus en plus parler de tiers-lieux qui s'auto-proclament tiers-lieux, qui sont tiers-lieux avant même d'être ouverts, qui sont tiers-lieux avec des immenses projets urbains de construction, qui sont tiers-lieux sans la diversité des publics, sans la communauté, et in fine qui sont souvent apolitiques ou dépolitisés, là où les tiers-lieux sont par nature, par essence, démocratiques et profondément politiques. Voilà. Je pose cette question, je vous laisse y répondre par ailleurs. Et puis surtout, si tout est tiers-lieu, comment est-ce qu'on peut distinguer ce qui est tiers-lieu ? Et en élément de réponse, on a la notion de mesure d'impact. Il y a un projet qui a été mené, qui vient de sortir, entre autres, avec le collectif Approche et Plateau Urbain, qui est un des acteurs du transitoire, et qui a travaillé sur un outil qui s'appelle Commune Mesure et qui permet de mesurer l'impact des tiers-lieux. Et c'est une notion importante à aborder parce que quand on parle de l'impact et de comment est-ce qu'on mesure cet impact, ce qu'on pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut au final ? Si cet impact, c'est uniquement chiffré, uniquement tangible, uniquement matériel, si la manière de mesurer d'impact, ça va être le PIB généré, certes, les emplois directs, indirects, tout ça, c'est la partie visible. Mais comment est-ce qu'on mesure cet invisible ? Comment est-ce qu'on mesure la confiance d'une communauté ? Comment est-ce qu'on mesure la résilience d'un territoire ? Comment est-ce qu'on mesure l'envie de changer le monde ou pas ? L'espérance qu'on a en demain ? Et l'influence que ces espaces-là peuvent avoir là-dedans. Et du coup, l'idée, c'est de réintégrer dans cet outil-là toute cette notion sensible, immatérielle et in fine fondamentale dans la vie et l'accompagnement des tiers-lieux. Voilà, donc pour la fin, je vais vous inviter à, sans être naïf, à rester ou à vous faire idéaliste. C'est ce que j'ai vraiment compris du terrain. Je pense que j'ai perdu ma naïveté sur pas mal de sujets liés à la ville, liés à la société, aux risques écologiques et sociaux auxquels on encourt aujourd'hui. Mais ces espaces-là, ce sont des espaces qu'on qualifie souvent d'idéalistes, d'utopistes. Et je me demande au final, aujourd'hui, vu la société dans laquelle on évolue, si ce n'est pas urgent de réintégrer un peu d'idéalisme dans nos villes, dans nos lieux. Et je vous invite surtout, parce qu'on peut en parler pendant des heures, on peut lire beaucoup de livres là-dessus, à aller sur le terrain, à aller voir des lieux, à aller passer du temps dans des lieux, parce que c'est la meilleure manière de les comprendre plutôt que de les intellectualiser un peu de manière détachée. Voilà, donc ce sera mon invitation finale. Après cette présentation, je vous invite surtout autour de vous à regarder les tiers-lieux qui ont été recensés et aller voir ces espaces-là, peut-être même d'autres espaces qui ne se qualifient pas de tiers-lieux, mais dans lesquels vous ressentez une dimension de tiers-lieux qui peut peut-être vous aider vous-même à vous transformer pour être acteur de la société demain. Voilà, ce serait tout. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Même si j'imagine qu'il est peut-être un peu tard. Oui. Particulièrement.
tiers-lieu d'énergie et d'électricité. Alors, je vais répéter la question parce que les personnes en ligne n'entendent pas. Alors, du coup, je vais résumer. Vous vous appelez comment ? Sidonie. Alors, Sidonie est cofondatrice d'un tiers-lieu à Troyes, le Rucher Créatif. Elle me demande si les espaces de tiers-lieu, au-delà de la dimension collective, communautaire que j'ai évoqué, étaient souvent ou pas impulsés par des volontés individuelles initiales, par un petit noyau ou une ou deux personnes qui ont impulsé le projet. Et la réponse, c'est oui. Souvent, la notion de collectif, elle découle d'une impulsion individuelle. Dans la plupart des projets, il y a un, deux, trois, quatre, un tout petit noyau de membres fondateurs qui ont rêvé ce projet en premier. Mais ce qui est important, c'est, et ce qui fait le distinguo entre un projet avec un petit noyau qui imagine un tiers-lieu et puis, in fine, l'espace périclite et la communauté ne s'approprie pas le lieu, c'est que, oui, quasiment toujours, mais en fait, toujours, ça commence avec des volontés individuelles qui impulsent le changement, enfin, en tout cas, qui créent les conditions pour la naissance du lieu. Mais ce qui fait la différence, c'est leur capacité ou pas à laisser le collectif et la communauté s'approprier le lieu. C'est-à-dire, est-ce que les fondateurs vont rester accrochés à la vision qu'ils avaient initialement, eux, du projet? Alors, ils voulaient peut-être que ce soit... par exemple, à Bogota, j'ai étudié un tiers-lieu où c'était trois cofondateurs, un sociologue, un designer, un menuisier. Ils avaient tous un peu leur vision du lieu. Ils voulaient en faire un espace de théâtre. Ils avaient tout imaginé pour le lieu. S'ils en avaient fait un espace de théâtre, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la communauté s'appropriait le lieu. Les enfants ont fini par s'approprier le lieu en premier. Et au final, c'est devenu un espace plus pour l'enfance. Et c'est comme ça que la vie du lieu a commencé. Les usages ont continué à évoluer. Mais c'est leur capacité à vouloir préserver, évidemment, sur un impondérable de valeurs sur lequel on ne revient pas, un espace qui est quand même libre à l'appropriation. Mais comment est-ce qu'on est facilitateur, d'où le rôle aujourd'hui de facilitateur de tiers-lieux qui commence à se structurer comme un métier, mais comment est-ce qu'on est facilitateur de volonté collective? Et si on est fondateur d'un tiers-lieu et qu'on échoue à cette étape de laisser le bébé partir et puis le laisser vivre avec tous les autres imaginaires, les volontés, ceux qui ont envie de faire le lieu avec eux, en général, l'aventure s'arrête là. Donc évidemment, c'est une question profondément humaine, donc il y a une question d'ego. Et la capacité ou pas à porter une vision forte pour le lieu et en même temps à accepter que le lieu vive par lui-même. Avec plaisir. Oui. Alors, c'est un travail de terrain. Principalement, c'est le premier. En fait, c'est la notion derrière cette question de diversité, c'est celle de l'ancrage. C'est-à-dire, on est dans un territoire donné, donc dans une ville donnée, mais aussi dans un quartier donné, avec d'autres structures autour. Donc, c'est un travail de terrain principalement. Aller voir ces acteurs-là, aller les rencontrer, aller les inviter dans l'espace, et puis à terme, générer des dynamiques partenariales formelles ou informelles. C'est-à-dire mise à disposition de l'espace pour telle association, tel collectif du coin qui n'a pas d'espace et qui peut peut-être trouver un espace ressource dans ce tiers-lieu, proposer au comité associatif de pétanque du coin de venir faire son amicale ici et puis continuer ce lien sur le temps long. Et voilà, c'est un travail humain avant tout d'ancrage qui passe par une cartographie sensible du territoire. Il n'y a pas un seul modèle. Il y a beaucoup de tiers-lieux qui ont chacun leur méthode, mais principalement, c'est du terrain. Oui. Justement, pour rebondir sur notre présentation, je trouve que ce qui ressort finalement, c'est est-ce que ça ne marche pas quand ça émane, est-ce que ça marche justement quand ça émane une urgence, et que c'est vraiment le terrain, quoi, la communauté qui décide, enfin, qui s'approprie, vous avez bien dit, hein, question, je trouve, par rapport aux politiques publiques actuelles, avec les appels à projets, où on décide de développer les tiers-lieux. Je
arrivent, quoi, et c'est les gens qui s'approprient et qui décident que bah, cet espace est bloqué. Par exemple, les gilets jaunes, je ne sais pas si on se fait marrer, mais effectivement, c'est parlant aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être pas quand on dit bah, chaque fois on appelle un projet pour être sérieux que là ça va fonctionner et que les gens vont se réapproprier, etc. Mais c'est plutôt, il y a un contexte, il y a des gens, il y a une urgence, il y a besoin de se retrouver. Puis du coup, alors, c'est là où l'intérêt d'un facilitateur, comme vous l'avez dit. Mm-hmm. C'est plutôt ça, c'est accompagner la facilitation. Alors, je vais répéter la question. Je réalise que j'ai oublié de répéter votre question tout à l'heure. Je vais répéter la question de monsieur. C'était, il semble qu'a priori, ces projets émergent de dynamiques surtout d'urgence, où on a la nécessité de faire, d'occuper ce lieu, et puis on le fait, et on n'attend pas un appel à projet, etc., pour le faire. Alors, tout n'est pas tout noir, tout blanc. Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité de l'État là-dedans, c'est d'être facilitateur des dynamiques existantes. Et le fait qu'ils se soient constitués, enfin, qu'ils aient constitué une association France Tiers-Lieux, qui est une association et qui a pour but d'être un peu, d'aller fédérer les acteurs autour de ces questions, d'écouter les porteurs de projets avec un jury qui est fait, entre autres, de porteurs de projets. On a certains garde-fous qui sont placés. Après, évidemment, il y a ce risque d'institutionnalisation et évidemment, il y a ce risque d'un budget qui est capté par un acteur qui fait super bien les dossiers de subvention, qui sait super bien parler de ce qu'il fait, qui invente des besoins qui ne sont pas sur les territoires. On a toujours ces risques-là, d'où la nécessité de savoir distinguer aussi sur le terrain et puis par des indicateurs sensibles si c'est un tiers-lieu ou pas, s'il y a une volonté de tiers-lieu ou pas. Donc c'est une oreille qu'il faut éduquer aussi et un regard qu'il faut éduquer et qui à mon sens, s'éduque dans l'expérience du terrain. Mais ma réponse à ça, c'est que ce n'est pas toujours dans l'urgence, mais en revanche, c'est toujours en réponse aux besoins du territoire. C'est-à-dire que c'est toujours une réponse à des problématiques qui sont déjà là. Et un des fondamentaux de cette approche tiers-lieu, c'est cette notion d'ancrage, non seulement par rapport au territoire, mais par rapport à ses réalités et à son contexte, et au fait que, voilà, sur ce territoire-là, au final, on ne l'avait peut-être pas vu dans les statistiques, mais ce qui est important, c'est peut-être que, en fait, les jeunes, ils n'ont pas de perspective sur tel ou tel aspect, et puis ils peuvent trouver une réponse par le sport, parce qu'au final, c'est des choses qui émergent du terrain en fonction du territoire, et d'où la nécessité de ne surtout pas penser... Par exemple, je vais vous parler de l'anecdote du projet sur lequel je travaille en ce moment à Toulon. Je cofonde ce projet avec une association qui avait imaginé un usage, un usage a priori, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ils sont partis d'une intention première, mais ils voulaient que cet espace-là soit autour de art et écologie, art contemporain. Et du coup, ils veulent faire un espace qu'ils ont pensé à l'avance, qui est déconnecté des réalités très concrètes, qui est en l'occurrence le port. Et du coup, j'ai dû faire un travail d'éducation à la notion d'ancrage et au fait que les usages du lieu, même si c'est compliqué à penser parce qu'on a envie de... Comment est-ce qu'on communique sur ce qu'on fait si on ne sait pas déjà ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on dit qu'on va laisser émerger les usages? Il y a une notion d'incertitude qui est complexe à crédibiliser. Mais j'ai dû les éduquer au fait qu'on allait se rendre disponible à des usages et à des besoins qui sont déjà là, et dont notre rôle, ça va être de visibiliser et de solutionner par de l'accompagnement, de la médiation et surtout de l'expérimentation. Voilà, donc c'est évidemment des notions qui sont importantes, faire avec le déjà-là. Et les déjà-là, c'est les gens, le patrimoine, l'histoire, la mémoire, les besoins, les problématiques, c'est toutes ces notions-là. Il y avait le monsieur qui lève la main de... On fait un produit sans un processus. Qui permet justement
Ben, en fait, c'est aussi, ça rejoint cette question de plateforme. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand on parle de numérique, on parle souvent de plateforme, parce qu'on est à la rencontre de flux, de biens, de personnes, d'informations. C'est voilà, des méga-plateformes aujourd'hui. Le principe des tiers-lieux, c'est de faire redescendre physiquement, corporellement aussi, cette notion de plateforme, du fait qu'on peut voilà, rencontrer... rencontrer des personnes très différentes. Par exemple, le Bon Coin, c'est dans les usages numériques le plus proche qu'on a d'un tiers-lieu. Leur enjeu demain, ça va être de se demander comment est-ce qu'ils peuvent redescendre sur les territoires et s'ils ne peuvent pas le faire avec les tiers-lieux ou en créant des espaces qui sont des formes de tiers-lieux par ailleurs. Et ce qui est important dans ce que vous avez dit aussi, c'est cette notion de temps long. Le fait que en fait, ça rejoint de manière générale les notions de crise et d'urgence. Oui, on a des crises immenses qu'on connaît tous. Et il est urgent de prendre son temps aussi dans la manière dont on construit les choses. Et ces notions d'humain et de communauté, elles se font sur le temps long. Donc, on ne peut pas décréter demain, quand on a un espace et qu'on veut l'ouvrir. En fait, dans 3 mois, ça doit être un tiers-lieu avec des gens qui se connaissent, qui se font confiance, qui ont envie de changer le monde dans cet espace. Il faut être capable de dialoguer aussi avec des promoteurs, des propriétaires privés, des institutions, pour réhabiliter le droit à l'erreur, le droit au temps long, le droit au fait que voilà, parfois ça ne va pas fonctionner. Et voilà, c'est une pédagogie de toutes parts et une expérimentation pour à peu près toutes les parties prenantes. De fluidification des transports qui m'ont amené à désirer remailler le territoire avec des tiers-lieux pour changer l'approche au travail. Et donc ma première question c'est est-ce que vous avez vu dans vos expériences cohabiter des populations salariées mais décentralisées par rapport au siège et toutes les autres populations habituellement qui fréquentent habituellement des tiers-lieux? Et la seconde, c'est que, alors c'est pas vraiment une question, mais moi je suis confronté à ce qui vient d'être dit, à des promoteurs qui voient plus une opportunité foncière et qui du coup bâtissent dessus un projet avec le buzzword de tiers-lieux et qui me soumettent des projets qui moi ne sont pas pertinents dans la stratégie que j'essaie de développer et qui sont simplement des opportunités foncières, de nouvelles façons spéculatives. Voilà, d'occuper du mètre carré avec un business plan extrêmement cadré. Alors, la communication numérique et plein de choses, mais vu le porteur et vu la manière dont c'est fait, c'est surtout pour chasser les subventions et rentabiliser des mètres carrés. Ma question c'est surtout est-ce que vous avez vu cohabiter des salariés très classiques d'Orange, mais délocalisés sur un tiers-lieu qui est près de chez eux, et des populations qui peuvent être de toutes sortes, d'auto-entrepreneurs, de demandeurs d'emploi en fracture numérique. Alors, du coup, la question de monsieur, la première, c'était est-ce que j'ai vu dans des espaces se mélanger un public de professionnels, par exemple du privé, qui se délocaliserait dans des tiers-lieux, partiellement ou entièrement. Alors, du coup, à cette question-là, je vais répondre que oui, c'est plus marginal aujourd'hui, mais c'est à mon sens dans ce sens-là qu'on va. Et la grosse problématique pour pas mal de boîtes privées aujourd'hui, surtout dans un contexte post-Covid où pas mal de boîtes n'ont pas renouvelé les baux de location pour leur siège, c'est de trouver des espaces collaboratifs. Et ils ont tout intérêt, s'ils souhaitent être un peu plus agiles, innovants, ancrés dans leur territoire, de se mélanger à des tiers-lieux. La question, c'est comment est-ce que ça se fait ? C'est-à-dire avec quelle volonté ? Avec quel principe de réciprocité, d'équité? S'ils ont, par exemple, une capacité locative beaucoup plus forte qui peut peut-être renforcer le modèle économique du tiers-lieu. Mais du coup, en termes de gouvernance, est-ce que ça les rend un peu plus propriétaires symboliques du lieu? Donc, il y a des notions comme ça sur lesquelles il faut être vigilant.
et bien garder ces entités-là en partie prenante d'un écosystème qui ne leur appartient pas et dans lesquels ils sont uniquement partie prenante. Donc c'est surtout une question de qui va orchestrer ça et qui maintient un principe d'équité dans ces espaces. Mais ça existe, à Pony Ride, il y avait des employés de Ford, il y avait des employés de privé qui venaient même pour travailler un ou deux jours par semaine parce qu'il y a des créatifs qui les inspirent, c'est un mode de travail qui sort de leur boîte grise, quoi. Et la deuxième question par rapport aux promoteurs, moi je me fais approcher en permanence par des promoteurs immobiliers qui veulent m'intégrer dans le plan de... Voilà. Sur le fait d'être la carte crédit tiers-lieu et qui, en fait, utilise cette notion de tiers-lieu pour des fins purement privées, spéculatives, de gentrification, de défiguration de nos espaces urbains, sans s'interroger ni sur la notion des communs, la notion anthropologique, la notion de résilience urbaine. Et du coup, une manière simple de... Enfin, du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur à quel moment tu dis oui en te disant que tu vas peut-être pouvoir les accompagner vers un moindre mal et des modèles peut-être un peu plus communs, un peu plus ouverts, un peu moins traditionnels. Et à quel moment est-ce que tu dois dire non pour surtout pas mettre au service d'une cause qui n'est pas la tienne, un modèle qui par ailleurs est révolutionnaire. Et du coup, ce que moi, ma conclusion qui reste en évolution permanente, hein, vu que c'est des questions et des formes de tentatives d'appropriation qui changent en permanence, donc c'est complexe de savoir vraiment comment y répondre de manière pertinente, c'est que s'ils ne s'interrogent pas sur le modèle économique et sur le modèle juridique de ces programmes urbains, on peut être sûr que c'est du bullshit. S'ils ne s'interrogent pas sur le fait de créer peut-être une SIC, une coop, une forme de gouvernance partagée dans l'espace, c'est le premier signe que voilà, c'est à des fins spéculatives. Et la deuxième, c'est la notion de propriété. S'ils ne remettent pas en question aussi la notion de propriété ou de contribution, par exemple sur les projets du transitoire, une question à se poser pour des promoteurs qui commence à se dire, mais en fait, le transitoire, c'est une manière de valoriser mon bien. Et puis moi, je suis propriétaire de tout ce qu'il y a autour. Donc, si ça se valorise dans le quartier, tout le monde. Donc, en fait, je vais laisser des hippies faire leur truc pendant un ou deux ans. Et puis après, ça gentrifie. Et puis moi, je fais de la spéculation sur le dos des idéalistes. Et garde-fous que je trouve à ça, c'est de négocier une rétribution de la création de valeur. Soit un pourcentage de la propriété de l'espace, soit du réinvestissement dans les communs. Mais il faut qu'il y ait une remise en question structurelle si on ne veut pas rester juste dans de la com ou de la récupération ou même du dévoiement de ce que sont les tiers-lieux. Voilà. Et le mieux, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un qui sait y distinguer. Et puis, voilà. C'est humain avant tout, hein, donc... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien. Merci pour votre écoute et votre temps. Merci à vous.